Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un nouveau livre, ou plutôt d'une série de livres. Ce sont les Bébés Balthazar. Ce sont ces livres ici. Donc j'ai décidé de vous prendre un de ces livres au hasard et de vous en faire la présentation. Alors Bébés Balthazar, déjà sachez que ce sont des livres que l'on peut aborder très tôt. Moi j'ai commencé à les acheter pour ma fille aux alentours de 13-14 mois. Ça nous a permis d'en acheter régulièrement et d'avoir une petite collection. Donc ces livres-là, ils sont très souvent sensoriels. Ça va être le cas de celui que je vous présente aujourd'hui, qui s'appelle Caresse le chat, donc dans la série Bébé Balthazar. Tous ces livres-là sont à retrouver sur la boutique de l'Alternative. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager éventuellement. Suivez-moi sur Facebook et sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Et puis voilà, donc je vous laisse vous installer pour la lecture, donc pour les tout petits et pour les plus grands. Une dernière chose importante, ces bouquins-là sont dits Montessori. Donc ce sont ceux qui sont relativement représentatifs. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous allez le voir, on a une jolie écriture. Voilà, une jolie écriture ici. Assez proche de la cursive, même si quelques lettres sont plus proches, notamment les majuscules, de l'écriture script, mais on est quand même plus proche de la cursive et ça facilite la lecture. Donc effectivement, moi, ma fille qui commence à écrire en cursive, donc à 5 ans et demi, elle commence à essayer de déchiffrer des mots et elle y parvient. Même si je reste persuadée que l'écriture capitale est un meilleur processus pour rentrer dans la lecture. Et j'utilise d'ailleurs, vous l'avez vu dans une autre vidéo que j'ai faite, les livres de Céline Alvarez, qui sont eux écrits en lettres capitales et donc qui amènent plus facilement à rentrer dans la lecture. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à la retrouver. Installez-vous confortablement, nous allons lire donc l'histoire de Bébé Balthazar, ici, qui caresse le chat. Donc Balthazar, c'est ce petit bonhomme qui est ici et dont on suit les aventures au cours donc, de différents livres. Et ici, on voit Pépin. Pépin, c'est son doudou. Toi aussi, tu as peut-être un doudou et tu as le droit d'aller le chercher pour t'installer. Et commençons la lecture. Voici Balthazar et son ours Pépin. Balthazar fait un baiser à Pépin. Donc je suppose que toi aussi, tu arrives de faire des bisous à ton doudou. Tu peux toi aussi faire un baiser à Pépin. Donc là, tu peux embrasser Pépin. Je te laisse lui faire un bisou. Et voici le chat. Balthazar caresse le chat. Un énorme chat. Hein? Tu peux toi aussi caresser le chat. Il est tout doux. Alors, c'est ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'on peut toucher et ici, on a des poils. Alors, si tu n'as pas le livre comme moi et que tu ne peux pas suivre et toucher le livre en même temps, eh bien, tu prends quelque chose de doux. Alors là, par exemple, je pense à ma fille qui a un coussin comme ça, qui est tout doux. Et tu vois, ici, tu caresses, tu fermes les yeux et tu t'imagines en train de caresser le chat. Et voilà un hérisson. Balthazar caresse le hérisson. Oh, ça pique! Donc là, on voit Balthazar qui rencontre un hérisson. Il va le toucher et tu es invité. Tu veux toi aussi caresser le hérisson? Tu veux lui faire un baiser pour lui dire au revoir? Et ici, donc, on a un hérisson qui est tout, tu vois, tout piquant, tout granuleux. Donc toi aussi, tu peux chercher quelque chose qui a une surface un peu piquante, un peu granuleuse. Tu peux te faire aider de papa et maman pour toucher le hérisson. Et le livre se termine. Donc c'est la série Bébé Balthazar. Je vais vous lire le quatrième de couverture quand même pour que vous connaissiez un petit peu l'histoire de ces livres. Donc Balthazar fait un baiser à son ours Pépin, caresse le chat. Tu veux toi aussi caresser le chat? Il est tout doux. Bébé Balthazar est une collection de premiers livres issus de la pédagogie de Maria Montessori. Dès son plus jeune âge, vous pouvez lire ce livre à votre bébé. Le tout petit va entendre la poésie des mots, observer votre bouche qui raconte, puis captiver. Il va tourner les pages, les mots écrits, et progressivement voudra tenir et sentir le poids du livre, apprendre à tourner les pages. À partir de 6 mois, les pages tactiles lui procureront de grands moments,
Vers 18 mois, le quotidien de Balthazar aura une résonance avec sa vie. De 2 à 3 ans, il sera intéressé par le déroulement de l'histoire. Et comme je vous disais après, il peut être intéressé par l'envie de lire lui-même le livre ou de reproduire les différentes écritures. Donc c'est un livre qui va évoluer avec votre enfant. Un bon investissement, d'autant plus qu'ils ne sont pas chers, ils font 5,95 €. Et les pages sont cartonnées, donc il y a quand même moins de risques qu'ils s'abîment avec le temps. Voilà, c'était ma petite lecture du jour. Ça faisait un moment que j'étais pas venue vous faire une lecture. Je reviendrai très prochainement, je vous remercie. Et n'oubliez pas donc de suivre l'alternative sur les différents réseaux sociaux.